Ashanti a choisi un déguisement de son invention, un personnage tout en rondeur qu'elle a baptisé Bess Transportou, un hommage personnel à sa profession de commerciale à la gare de Paris-Saint-Lazare et plus largement un clin d'œil aux différents moyens de transport. Elle a donc pris l'apparence, peu élégante, d'un bibendum vêtu d'un uniforme à rayures bleues et blanches. Au sommet de sa tête, elle a déposé la coiffe habituelle des agents SNCF sous laquelle ses cheveux sont regroupés en un chignon impeccable. Dans le dos, des ailes ont été cousues et son accoutrement se termine avec une paire d'après-ski fluo. Réseau routier, maritime, ferroviaire, aérien et pédestre. Le compte est bon. Ce costume est quelque peu tiré par les cheveux selon ses amis, qui visualisent plutôt une nouvelle version du bibendum chamallow de SOS Fantôme ou un énorme sumo ailé en marinière. C'est au tour de Carole de défiler sous les feux des projecteurs, ou du moins, sous les lumières du téléviseur. Elle est drapée d'une somptueuse robe de mariée d'un blanc éclatant, ornée de plis, de broderies, de perles et de paillettes, composée d'un bustier en forme de cœur, révélant une poitrine minimaliste, vigoureusement serrée et lacée dans le dos. Un énorme nœud papillon insiste sur la courbe parfaite de son fessier rebondi et se termine avec une longue et magnifique traîne en tulle. Son maquillage est lui aussi parfait pour cette soirée. Du crayon noir qu'elle a appliqué sur ses sourcils épais, au mascara noir qui lui allonge les cils et les fait se coller entre eux par gros paquets, en passant par le fond de teint d'une nuance aussi claire que la couleur du lait fermenté, à son rouge à lèvres rouge sang qui recouvre ses lèvres peu charnues et gercées, du blush terne sur ses joues qui donne à son visage triangulaire un aspect d'outre-tombe, à la couronne d'épines de roses et de fleurs séchées posées sur ses cheveux gras. L'ensemble est tout simplement fabuleux. Divinement démoniaque. Dis donc, Caro, très bel hommage à l'univers de Tim Burton et à ses noces funèbres, lance Jade. Très bon choix. À vrai dire, j'aurais très bien pu venir sans tout ce maquillage, simplement avec la robe de mariée. Je ne vois pas en quoi mettre une robe de mariée est un déguisement d'Halloween. Le mariage est censé être le plus beau jour de ta vie, certifie Shadia. Non, rétorque Carole. Le mariage est pour moi ce qu'il y a de pire au monde. Une prison dans laquelle tu es condamné à vie. Enchaîné à un être que la société t'oblige à te coltiner jusqu'à la fin de tes jours. Un cauchemar. Une fois la cérémonie de mariage terminée, tu passeras ton temps et ton énergie à rendre des comptes. Dès que ton téléphone sonnera, il t'assaillira de questions de type « Qui est à l'appareil ? Qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut encore ?» Et lorsque tu auras envie de souffler et t'aérer l'esprit, il ne cessera de te questionner. Tu vas où ? Avec qui ? Et pourquoi faire ? La routine va s'installer paisiblement, alors que toi, tu auras encore envie de sortir et de voir du monde. Cependant, ton alter ego en charentaise, une main dans le slip et l'autre sur la télécommande, voudra que tu restes à la maison pour lui tenir compagnie ou, éventuellement, que tu lui prépares une blanquette de veau avec des patates surmontée d'une sauce béchamel. Tu verras qu'inconsciemment, toutes les fois où tu sortiras, un chronomètre interne se déclenchera et t'imposera l'horaire auquel tu devras rentrer pour ne pas que le dit prince charmant ne soit livré à lui-même trop longtemps. Telle une cendrillon, tu partiras en courant, fabriquant toutes sortes d'excuses bidons. Cependant, ce n'est pas ta pantoufle de verre que tu perdras dans un caniveau, mais un petit bout de la précieuse amitié que te portait l'ami que tu viendras lâchement d'abandonner et qui se faisait une telle joie de passer du temps avec toi. Il faudra donc t'y faire. Ton nouveau statut de femme mariée t'imposera une présence constante à la maison aux côtés de ton bien-aimé, de sa télécommande et de tes ustensiles de cuisine. La bague au doigt ? Non, la corde au cou. Quand je pense que les homosexuels de ce pays étaient libres et qu'ils ont voulu s'enchaîner à leur tour, ça me révolte, renchérit Carole. Tu as une charmante vision du couple, lance Ashanti médusée. Chacune est plus ou moins coutumière des déclarations tonitruantes, voire des inepties, de Carole, fermement opposée au mariage. Elle est pourtant en couple depuis un an et demi, mais l'idée même d'une alliance devant les instances compétentes lui déclenche d'énormes crises d'urticaire. « Je te le dis, Shadia, le mariage, c'est le début de l'esclavage. Adieu, liberté » conclut-elle. Shadia la regarde amusée. Cette dernière a opté pour une tenue sans aucune retenue quant aux nuances de rose. Des chaussons de danse
un carnadin, un collant cuisse de nymphe, un tutu fuchsia, un body coquille d'œuf moulant 175A, quelques bracelets en bois laqué de couleur magenta et d'autres en métal incrustés de pierres roses balais, faussement précieuses. Du vernis rose vif sur les ongles, le cou et le visage peint en rose dragé à l'aide de son éponge de fond de teint. Du rouge à lèvres rose Barbie numéro 5, une perruque rose fluo qu'elle a coupée pour avoir une mèche sur le front et sur laquelle elle a mis au préalable des rouleaux pour un effet bouclé et plus volumineux. Le clou du spectacle tient en deux détails. Un groin sur le nez et une queue en tire-bouchon accrochée à son derrière. Jade ne peut s'empêcher de glousser à la vue de son amie aussi chic, aussi ridicule et aussi désopilante. Ashanti, Carole et Liane ont eu une réaction similaire lorsqu'elles ont aperçu Shadia à la gare. Rien que de penser que cette dernière a déambulé ainsi dans l'un des quartiers les plus chauds de la banlieue parisienne, elles en ont eu des crampes au ventre. Shadia, franchement, je te décerne la palme du meilleur déguisement. Y a pas photo, déclare Jade les larmes aux yeux. Une musulmane déguisée en truie, fallait oser. En plus, madame a laissé de côté ses hauts talons, son maquillage raffiné, son parfum numéro 5, ses manières de la haute, pour se divertir avec le petit peuple. Moi je dis Shadia, chapeau, tu déchires tout, poursuit Jade. Et oui, Jade, de la classe, du style et de l'humour, c'est tout moi. Eh bah, je n'aurais jamais cru ça de toi, Shadia. Tu peux être hyper drôle quand tu veux, la taquine Liane. L'asiatique de la bande ajustait cette fête peu catholique à ses origines. En Occident, les couleurs souvent portées pour cette célébration sont le noir, l'orange et ou le rouge. Sachant qu'en Chine, le rouge est une couleur porte-bonheur et que celle-ci ne lui va pas autant, il n'y a vraisemblablement pas de raison pour qu'elle en porte en ce jour noir. Aucune chance donc de l'apercevoir en costume de tomate farcie, de piment rouge, de suceuse de sang, de diablotine ou de vilain petit M&M's colérique sans cacahuète. De même, détestant la couleur orange, il n'était pas question qu'elle enfile un habit qui lui donne la mine d'un homard sous UV. Il lui fallait un déguisement adapté au thème, excluant ses deux pigments et n'altérant pas sa personnalité. Sobriété et mesure, en toutes circonstances. Bah, tu n'es pas déguisée, Liane ? L'interroge Jade. Bah si, ça saute pourtant aux yeux quand même. Mon déguisement a été achevé dès que j'ai franchi le seuil de ta porte. Jade, incrédule, regarde Ashanti, Carole et Shadia, qui déjà lèvent les yeux au ciel, sans attendre le début d'explication de leur amie. Liane, à première vue, a une tenue des plus communes, un maquillage discret, comme à son habitude, de l'eyeliner pour agrandir ses yeux bridés, un peu de fond de teint pour lui donner bonne mine, deux puces d'oreilles couleur or, un pull en col roulé blanc, très court, une fine ceinture dorée, un jean slim noir et des ballerines vernis blanches, rien de bien extravagant. En vérité, son look est très travaillé. Culturellement, dans certains pays d'Asie, le blanc signifie entre autres le deuil. La couleur noire désigne entre autres le mystère ou la sournoiserie. Et pour donner un coup de fouet à ce patchwork de non-couleurs, elle a ajouté une touche de doré. Ici, Liane a souhaité se donner un côté coquin chic, renforcé par la longueur ultra courte de son pull qui laisse entrevoir la naissance de son nombril laiteux. Je suis l'une des pièces maîtresses d'une enseigne mondialement connue, tente de faire deviner Liane à Jade qui a les yeux ronds d'incompréhension. Alors, je suis... Jade émet un bruit sourd avec ses lèvres tout en haussant son épaule valide, soulignant le fait qu'elle est sur le point d'offrir sa langue au premier chat qui passera par là, ou éventuellement un bout de son cerveau. Je suis avec vous quatre réunis, The United Colors of Ben et Ton. Tu sais, la marque de fringues italienne qui met en scène différentes ethnies pour promouvoir ses collections dans ses campagnes de pub. Jade dévisage Liane, fière de sa trouvaille et de son déguisement plus vrai que nature. Regarde, une indienne, une blanche, une maghrébine, une noire et une asiate, dit-elle en pointant du doigt tour à tour Ashanti, Carole, Shadia, Jade et elle-même. Ouais, c'est ce que je dis. Tu ne t'es pas déguisée en fait, ironise Jade, peu convaincue.
invitant les filles à venir s'asseoir auprès d'elle d'un geste de la main. Franchement, il n'y a pas une qui a gardé l'esprit d'Halloween. Aucun de vos déguisements ne fait vraiment peur, renchérit-elle. Si, le mien, s'insurge Liane. Ah oui, et ton pseudo-déguisement est censé faire peur à qui, au juste ? Oh non, Jade, ne la rebranche pas là-dessus. Elle va encore nous bassiner avec sa vision du monde, ses théories, et j'en passe, intervient Carole. Eh, ça va, hein. Je vous signale que mes théories et ma philosophie, vous êtes bien contente de les trouver quand vous avez un problème. Hein ? Alors on se tait, lance Liane. Elle s'éclaircit la voix et poursuit. En fait, j'ai lu récemment des interviews dans différents médias qui parlent d'un regain de violence en France. Plusieurs articles font état de faits, de paroles et ou d'actes ouvertement racistes et islamophobes depuis un certain temps. Ouais, j'ai entendu dire qu'on avait traité la ministre de la Justice de guenon parce qu'elle est noire. Il me semble aussi qu'un membre du gouvernement et un joueur de foot italien ont eu le même traitement avec des cris de singe en complément. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Les attentats de Paris en novembre 2015 et à Nice en juillet 2016 ont non seulement fragilisé le cœur de tous les Français, mais cela a également fait beaucoup de tort à la communauté musulmane qui n'en est rien responsable, qui n'est en rien responsable de la folie meurtrière d'extrémistes sans discernement, intervient Shadia. Je suis totalement consternée par ce monde. Ce n'est pas comme si on ne savait pas ce qu'engendraient les croyances aveugles, les non-remises en question de soi et de ce qui est, la boulimie médiatique, l'insuffisance intellectuelle, le manque d'éducation, la haine et ou la peur des uns et des autres, les génocides, les guerres, l'apartheid, les camps de concentration, l'esclavage, la ségrégation, les inégalités en tout genre. Ce n'est pas comme si c'était loin. Mon déguisement fait peur à ces gens-là, Jade. Ceux dont l'étroitesse d'esprit fait des ravages, ceux dont l'ignorance est la seule éducation, ceux qui n'ont foi qu'en leur vérité, ceux dont le cœur asséché par la méchanceté pousse à la gratuité de sévices, de menaces, d'injures et finissent par incarner eux-mêmes ces noms d'animaux dont ils insultent leurs victimes, puisqu'ils en adoptent le comportement en singeant leurs cris et en reproduisant leurs réactions primaires. Mon déguisement fait peur à ceux qui n'ont de cesse de dénigrer, de critiquer sans avoir de connaissances, d'invectiver et de cracher sur d'autres êtres humains. Mon déguisement fait peur à ceux qui ignorent, à ceux qui ignorent encore combien les hommes peuvent être extraordinaires lorsqu'ils se tiennent main dans la main. Shadia se lève et applaudit tout en émettant un affreux grouillement d'acquiescement qui la fait immédiatement tousser. Elle n'est pas encore experte en cris de cochon. Ashanti lève son verre et s'écrie « Liane, présidente !» Elles éclatent de rire. Ce soir, elles préfèrent s'amuser des abjectes vérités de ce monde.